Gérard Hernandez. La matasse. Evelyne Grandjean. Académie des Neufs avec Juliette Mills. Notre invité de la semaine, Pierre Bachelet. Claude Dufresne. Toute une chaîne qui vous porte bonheur. Oui, ça commence. Ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec Michel Drucker il n'y a pas longtemps, dans Champs-Élysées. J'ai donné à Champs-Élysées un spectacle à Madeleine Proust en forme, et puis justement, à partir de ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui me réclamaient le disque, puisqu'on a tiré les meilleurs extraits, les extraits les plus drôles du spectacle. On en a fait un album. Alors voilà, je voulais dire... Il est là, cet album, on est en train de le voir. Dites-moi, vous n'êtes pas tellement ressemblante. La personne que je reçois ici est celle qui se trouve sur l'album. On fait des miracles maintenant, vous savez. Qu'est-ce que vous racontez dans ce disque de sketch? C'est une pièce que j'ai écrite. C'est une paysanne du Haut-Doubs qui monologue dans sa cuisine et qui a 60 ans. Comment parle-t-elle, cette paysanne? Il y a une lampe qui éclaire, là, à côté. Ils ont fait leur lumière. Ils ont vraiment des histoires foutre loin, ceux-là. Donc alors, vous êtes du Haut-Doubs, c'est cela? C'est ça, oui. Alors, et puis, vous allez faire partie à l'Olympia dans quelques jours du spectacle du monsieur qui se trouve là au-dessus. Voilà, c'est ça, de Pierre Bachelet. Bachelet. Voilà, je vais donner un quart d'heure, 20 minutes de mon spectacle. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis une grande réussite. On vous applaudit très fort. D'accord, merci beaucoup, Laurence. On a vu votre album et je pense que beaucoup de personnes auront la curiosité de l'écouter. Vous allez maintenant nous proposer un superbe objet. Mais c'est curieux, de quoi s'agit-il exactement? Ah, ça, c'est la Garce Maniaque Nie. La Garce Maniaque. Il y en a dans le Haut-Doubs des Garces Maniaque Nie? Écoutez, il faut croire. Mise à prix. Alors, 20 à 2. Top chrono, c'est parti, 30 secondes. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 100. 100. 200. 210. 300. 300. 400. 410. 500. 70. 510. 600. 700. 700. 800. 900. 900. 1000. 1000. 1100. 1100. 1200. 1200. 1300. 1300. 1400. 1400. C'est encore... Combien de cadeaux avez-vous acheté, Dominique? C'est mon troisième et dernier. C'est votre troisième et dernier pour 1402. Je vous bouscule un peu parce que je vous promets qu'une fois que vous sortirez du Théâtre de l'Empire, que vous irez à la première boutique en sortant à droite, on ne vous prendra pas les A2. Ils ne sont pas sympathiques. Enfin, alors, vous savez ce que vous venez d'acheter pour 1402? Absolument. Et regardez pas le superbe dessin qui a été réalisé par notre ami Laurence. De quoi s'agit-il? Il est superbe, ce dessin. Attendez, on va le présenter ainsi. Il s'agit, dites-nous tout, un sac à main. Garni. Garni, avec tout dedans. Il y a tout ce... C'est un beau cadeau que vous allez acheter. Bien, au-dessus, qui se trouve au-dessus de nous, c'est Juliette. Qu'est-ce que vous vendez, Juliette? La prochaine fois, Claude, vous le voulez bien? D'accord. J'ai une histoire, mais dernier en dessin. Bon, en effet, je vous souhaite tous un superbe week-end. Je voudrais remercier tous les académiciens, toutes les académiciennes, les candidats qui vont repartir avec encore dans la poche des billets de A2 dont ils ne seront que fermés. Enfin, tant pis, c'est le jeu. Au revoir, à lundi, minuit 8. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Thank you.